réseau des espaces naturels Natura 2000 est issu de la directive Oiseaux et de la directive Habitat créée il y a plus de 30 ans. Sur les territoires du parc naturel régional Golfe du Morbihan, deux sites coexistent. Le site Golfe du Morbihan, d'une superficie de 200 km² et qui comprend 21 communes, et le site de la rivière de Pénerse qui comprend 5 communes. Différentes actions d'animation et de gestion de ces espaces naturels sont mises en œuvre par le parc naturel Golfe du Morbihan en concertation avec les différents partenaires. Les actions de prévention sont pratiques parce que ça nous permet, nous, en tant que touristes ou autres personnes du secteur, de savoir ce qu'il faut pêcher ou pas et justement protéger la faune surtout. Les cailloux, il ne faut pas les retourner. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui les retournent et qui les laissent. Nous, ça nous insupporte. Du coup, c'est bien, il faudrait plus de personnes comme ça. Toutes les espèces d'oiseaux d'eau, on les compte et elles sont recensées par tout le monde en même temps sur le golfe, ce qui fait que chaque mois, de septembre à mars, on a une image des effectifs des oiseaux du golfe. Ça fait plus de 30 ans maintenant que c'est fait sur le golfe et là on voit vraiment la tendance avec l'évolution de certaines espèces qui augmentent et de certaines surtout des espèces qui disparaissent. Arracher la baccharis qui tue les autres plantes. C'est important parce que c'est une plante invasive, donc qui fait place nette autour d'elle. On peut utiliser plusieurs outils, notamment la baccarage qui a été fabriquée exprès, la pioche et puis surtout les bras. C'est le PNR qui est à l'initiative de cette action et je trouve que c'est vraiment très bien parce que il faut qu'on s'y mette. Il y a Brawe Orranbro à Maraouer, ma red de Laboura avec des quarantaines que nous avons joués.